balo ndoza we baye posha ntunja bangelelo ndoza we balo ndoza we baye ntwasinda kenja nguvelo ndoza we balo ndoza we baye posha ntunja bangela ndoza we balo ndoza we babundeja we majeno nalo tepeja basakala Hello.
Horizon Prestige, Monsieur Tuta Jean-Paul, écoutez-moi ça. Les connais plus de tonton. Papa Fosso Jean-Pierre, de King Kwata, le papa de bébé star. J'ai bien ma parie. Et c'est fatigué. Banda me pone fanfie, banda me pone loti, banda me doni loti. Faro faro, le mignon garçon de Balin. Saint-Prince Bronzini, l'effaceur. Kapapa sewe la la jungo, yen gane jungo, kibanga namu le joie. Thank you.
puisse sortir d'ici. Bienvenue ce soir. Bienvenue ce soir à l'intérieur de cette mythique salle qui a toujours eu le plaisir de nous recevoir. Et bienvenue encore une fois de plus ce soir pour soutenir l'association des Malins de France. Le temps est très imparti, c'est vrai. Et on doit toujours s'affairer aux airs condamnables de la route. Mais néanmoins, tout le monde est en train de prendre quelque chose à manger. C'est comme ça qu'il a essayé pour l'organisation de cette soirée. Ça va être une soirée chargée de couleurs, une soirée pleine de roses, une soirée pleine d'attractions, parce que les Malins de France ont décidé que ce soir, on doit apporter tout un chacun un plus pour pouvoir mettre en œuvre tous les projets qu'ils ont dans leur JBC. Ce soir, on va avoir pas mal d'artistes. Ce soir, on aura la présence du chef. Et je tiens déjà à rappeler que dans le mur, monsieur le maire est déjà là. Ça nous fait plaisir. Mais pour l'instant, pour ceux qui ont déjà mangé, on va commencer par une bonne conversation musicale avec le DJ qui est intervenu à l'occasion de cette soirée. N'oubliez pas que nous sommes ce soir 18, une date à retenir, une date qui devra rester dans les archives pour l'organisation de cette première des Malins de France. Je remercie tous ceux qui sont partis des quatre coins de l'Europe pour venir soutenir cette soirée. Je vous reviens dans quelques instants. Entre temps, je vous souhaite très très bon appétit à ceux qui sont à table. Et je vous laisse avec le DJ qui va nous orienter sur le meilleur de la soirée de Jean. Car toute la musique et toutes les musiques seront au bout. Upcoming, Room 258 music release. 2 hours of non-stop in the mix. This is... Association Malins de France, s'il vous plaît. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous, on s'est mis sur nos 31, on dit on s'en va faire la fête. Maintenant, pour applaudir pour les Malins de France, vous voulez qu'on pleure pour les Malins de France ou on sourit ou on applaudit pour les Malins de France? Parce que
une association qui se donne le courage et le tupet de prendre l'antenne et pouvoir réaliser pas mal de projets dans notre pays, le berceau de nos ancêtres, parce qu'on en a besoin. Je crois qu'ils ont besoin de beaucoup d'acclamations. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les Marins de France? Un peu plus fort. Merci. Ce soir, nous attendons des centaines de personnes. Ce soir, nous attendons le chef. Ce soir, nous attendons, mais il est déjà dans la salle, monsieur le maire. Eh bien, comme on a essayé déjà de pouvoir déguster quelque chose, je vais vous inviter tous au cœur de la piste. On va danser. On va danser. Et de la bonne musique, parce que la remix a été retenue pour cette occasion. On applaudit pour le DJ déjà. Il y a un côté qui applaudit et l'autre côté ne peut applaudir. Est-ce qu'on peut applaudir ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Les femmes, est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? Les femmes, faites du bruit. Et les hommes vont vous dépasser. Hein. Les femmes, faites du bruit. Ouais, ça commence à venir. Ça commence à venir. Et les femmes, on m'a soufflé quelque chose. C'est une dame qui me l'a soufflé. Vraiment, faites du bruit parce que j'ai placé des applaudimètres à l'intérieur de la salle. Et moi, ça va me permettre de faire mon business. Les femmes, faites du bruit. DJ, je ne sais pas demander d'aider les femmes. Les hommes, est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Les hommes, faites du bruit. Ben, moi, ça vous fait le gamba ou c'est comment? Mais il faut qu'on montre que nous sommes des mecs. Les hommes, faites du bruit. Je comprends. Quand nous allons faire péter quelques champignons, on va faire du bruit. Mais par contre, à cet instant, je vous invite tous à prendre un pied de danse et à esquisser quelques pas de danse pour pouvoir agrémenter et remonter la chaleur ici à l'intérieur. Je vous laisse en compagnie de DJ Narumis, Armand Jameau, c'est moi, on va jusqu'à 6h demain matin. Je dis bonne soirée à tout le monde et la fête commence maintenant. DJ. Yeah.
passer, j'attends un appel de ma mère. Ah, car, reste ça. Mon ami, je viens. Tu ne crois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les filles. Je regarde sur toi, hein. Mon ami, qui est toi? Si tu n'avais pas envie de joker, Mola, il fallait rester chez toi. Il faut pas nous gâter la fête, hein. Il faut pas nous prendre la tête, hein. Et depuis, je te vois. On dit même quand tu n'as pas les dents dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu veux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de conflits, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, embrasser la petite, embrouiller la petite. Et maintenant coller la petite, coller, coller. À ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrêtez de cogiter. La vie est une mentale, et si tu as l'occasion de fêter, faut en profiter. Y'a les filles à Goïde, y'a les filles. Il y a toujours de la, les Mazaja et les Matons. Il y a toujours de Lolo, les babouches et les voitures. Et même si tu choses de ta preuve, mon frère, aujourd'hui tu vas trouver ta voiture. Choisis ton couloir, tout le monde choisis ta petite. Mange-la avec appétit, et si tout le monde te dit que tu n'es pas un petit. Aujourd'hui c'est la finale, mais avant de la coller, attends une abonne en signal. Vous avez les bannettes, tapez les mains, on tape les mains.
Cadera, 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 c
Thank you.
le vrai artiste de Paris. Un de Perpignan, le seul unique. Dans le D. L'enfant du D, il est là. Elle est pour toi. Elle est pour toi, ma fille. J'ai vu mon
Différents projets qu'ils ont du côté du village Balin au Cameroun. Mais je reviens encore, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de soirée, je veux nous inviter tous et tous ensemble, car il y a certains invités qui n'étaient pas encore à l'intérieur de cette salle, je veux nous inviter tous ensemble de pouvoir donner une force à la mobilisation internationale qui sévit à l'heure actuelle par rapport à tous nos frères qui sont du côté de la Libye. Je ne peux pas vous demander une minute de silence, mais par contre, je vais vouloir qu'on puisse applaudir très fort dans la salle pour leur donner de la force et pour leur donner le courage de pouvoir effacer complètement à l'intérieur de cette année, de ce 21e siècle, ce qui veut se vivre, ce qu'on a connu au temps jadis, c'est ce qu'ont connu, n'est-ce pas, nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Non, on a dit non, et pour cela, tout ce qu'on peut faire ici ce soir, c'est d'applaudir très fort. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Eh bien, il est venu le temps, donc, de donner le temps pour cette soirée. Je dis déjà bonsoir à tous les convives, à tous ceux qui sont partis des quatre coins de l'Europe pour venir soutenir les Baleines de France. Et pour quand on dit les Baleines de France, je vais inviter au bout de mon micro à cet instant T le président des Baleines de France et je vais demander tambour et trompette, on applaudit pour le président. Non, sincèrement, là, je suis vraiment pas d'accord avec nous. Parce que le président, ce soir, soit présenté et qu'il ait en couleur bleu pétrole dans son costume et qu'on ne puisse pas lui offrir, avec tous les convives qui sont là, une chaleur d'acclamation, on applaudit pour le président, s'il vous plaît. Faites du bruit. Quand même, là,
que son discours va être très soutenu. Je vous remercie. Bonsoir, président. Bonsoir, Jean-Luc. C'est pas tous les jours qu'un président peut avoir cette force de rassembler tout ce monde qui a ce soir. Et je tiens à rappeler qu'on est à Nanterre, à Paris, et parmi l'une des plus grandes salles, elle est pleine. Donc, félicitations déjà pour ce grand boulot. Et maintenant, nous allons écouter humblement ton allocution pour les invités qui sont là ce soir. On n'a pas de pied. Je vais te transporter comme ça dans l'actualité actuelle. Comme je le disais tantôt, qu'on puisse applaudir pour tous nos frères qui sont de l'autre côté de Libye et qui souffrent et depuis des années et qui continuent à souffrir. Donc on veut vraiment mettre un stop. C'est le réveil de l'Afrique. Mais l'association Baleine de France, est-ce que cette association converge seulement au niveau des projets à Baleine ou bien c'est une association aussi qui peut, un temps soit peu, appeler à aller soutenir tous ceux qui sont du côté de Libye? Oui, effectivement, merci déjà de m'avoir passé la parole. Donc, l'association de Balin, c'est vrai que ça fait longtemps. On a le yoga, Balin, mais je ne dirais pas seulement. On est une association qui est compétitive, des actes compétitifs. Donc, les différentes personnes qui sont ici, à cette salle aujourd'hui, ne sont pas seulement les Balins. Donc, dire que nous œuvrons seulement pour Balin, je ne pense pas. Donc, on a notre ambition, c'est d'aller au-delà de la République. Merci. Bien avant ton allocution, en attendant la lumière, pour qu'on puisse mieux lire, quels sont les différents projets qui ont déjà été mis en place dans le village Balin? Bon, il faut dire que l'association Balin de France, c'est une jeune association, donc c'est une association qui a été créée en février 2015, dont nous en sommes pratiquement bien pour la troisième année. Dans ce premier temps, il fallait essayer de nous regrouper déjà là. Dans ce premier temps, il fallait regrouper les Balins, vous savez, regrouper les gens, c'est pas facile. Ici, nous, voilà, le temps nous tient par la gorge, donc déjà, il faut aimer son village pour pouvoir consacrer quelques minutes voilà, pour le village. Donc, c'est pas chose facile. Donc, on a des projets. Et vous savez, pour réaliser un projet, il faut le moyen. Donc, je veux, d'un moment à l'autre, donner la tenue à mon discours. C'est pour ça. On était très peu, mais aujourd'hui on est quand même assez nombreux pour pouvoir faire quelque chose. Déjà la présence d'ici de nombreuses personnes ici, ce sont des témoins. Donc voilà, nous on est en mission, très important, le statut, on a un règlement intérieur. Donc l'association des Balins de France ne veut pas forcément les ressortissants balins. Ça regroupe au-delà des ressortissants, ça regroupe aussi les sympathisants. Donc voilà, c'est une association qui regroupe les ressortissants et les sympathisants. Donc on peut sympathiser, mais pas forcément. Et comment ça se passe quand je dirais, n'est-ce pas, un homme d'honneur aimerait bien vous faire parvenir, que ce soit une enveloppe, que ce soit une participation. Est-ce que pour ce soir, on aura créé une cagnotte pour apporter à tout un chacun une participation ou bien avant la fin de... L'association est domiciliée le 19 mars 1962 à Neuilly-sur-Marne. Elle a un numéro de téléphone. On va dire le 06 26 14 00 14. Voilà, vous avez le contact. On prend le numéro. Je reprends, c'est le 06 26 14 00 14. Oui, après, je vais vous donner le numéro du président. Il faut que je vais vous donner le numéro du président.
poser vos questions, ou bien si vous sollicitez, faire un geste, tout ça. Voilà, c'est le bienvenu. Là, c'est le numéro du président, hein, le numéro vert, surtout le rouge, on ne sait pas. Est-ce que. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Avant de commencer mon propos, je veux déjà vous remercier d'être présent ici si nombreux pour soutenir l'opération. Je vais d'ailleurs devoir le répéter dans mon discours. Donc, souffrez, je vous en prie, entendre pour l'intention pour mon propos. Je vous en prie. Monsieur le maire de la communauté, de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2. Mesdames, messieurs les autorités traditionnelles, distingués invités, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande salle de l'espace chevreuil de Nanterre. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour déjà vous remercier infiniment d'avoir répondu massivement présent à l'invitation de l'association Baleine de France. Votre présence ici ce soir est un grand signe d'amitié, de solidarité et je dirais même de soutien inconditionnel à l'action de l'association Baleine de France. Nous vous en savons gré. Baleine est un groupement qui fait partie des trois qui constitue la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, dans la région de l'ouest du Cameroun et plus précisément dans le département de la Nifi. Le groupement Baleine a à sa tête un roi, Sa Majesté Negou Tela Guillaume Alain. L'association Baleine de France, dont je suis le président, a été créée le 5 février 2015. Sous l'impulsion de Sa Majesté, Negou Tela Guillaume Alain, elle est composée des fils et filles ressortissants, baleins et sympathisants. Le but de notre association est de promouvoir un développement économique, social, sanitaire, éducatif et culturel des baleins en particulier, et du Cameroun en général. Mesdames, messieurs, face à de nombreux défis qui interpellent l'état de nos jours, l'association Baleine de France ne peut pas rester les mains croisées, car l'état tout seul ne peut pas tout faire. À ce titre, c'est à ce titre que l'association Baleine de France organise cette soirée ici à l'espace chevreuil de Nanterre pour récolter un maximum de dons. Les dons récoltés lors de cette soirée permettront l'implémentation des bibliothèques rurales et le renforcement des plateaux techniques dans les hôpitaux ou dispensaires des zones rurales, de Baleine en particulier, et du Cameroun en général. Mesdames, messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier une fois de plus de l'intérêt que vous avez bien voulu porter à l'invitation de l'association Baleine de France. Vive le gouvernement Baleine, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun. Je vous remercie. Acclamation à cette allocution présidentielle, s'il vous plaît. Bien. Maintenant, nous suivons la présentation des membres du bureau de l'association Baleine de France et le comité d'organisation. Président. Mesdames, messieurs,
Sans plus tarder, je vais devoir vous présenter le bureau de l'association. Ce sont des personnes qui portent vraiment haut cette association. C'est grâce à eux que vous êtes nombreux ici ce soir. Donc, je vais appeler ici le vice-président, M. Tawembe Magla. Je vais également appeler sur le podium M. Alain Kandem, le secrétaire général de l'association. Je vais appeler le vice-secrétaire de l'association, Madame Kachmarek Niguez. Le pays, on applaudit pour elle, s'il vous plaît. Et j'appelle ici le trésorier de l'association, Monsieur Yébélio Giscard. Pour Philo. Je vais appeler le censeur de l'association, M. Saint-Paul. Attention, je vous disais tantôt que la caisse était en sécurité, mais le censeur est appelé, mais par contre c'est le trésorier qui arrive avec toute la caisse. On applaudit pour le trésorier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut recevoir le censeur? Je vais également appeler le vice-censeur, M. Kamdel Mouzé. Je vais inviter, par ma foi, très rapidement, le comité d'organisation de l'association d'Alain, s'il vous plaît. Vous savez que pour que nous nous réunissions ici ce soir, il a fallu qu'on abatte un grand travail. Donc, un comité a été mis sur place, qui est piloté par Madame Kamna Gisèle, qui est la présidente du comité d'organisation. Madame Gisèle, s'il vous plaît. C'est elle qui a diligenté le gros comité d'organisation. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas couper tout le temps. Je vais juste devoir demander au reste des membres du comité d'organisation de nous rejoindre sur le podium du comité. Le vice-président du comité d'organisation, s'il vous plaît. Toujours les gars de la sécurité, là. Dans la même suite, j'appelle notre seul notable qui est parmi nous, le nommé Kamdem Sola. Son nom de notabilité, c'est Tamang Ndjengi. Vous êtes attendu ici ce soir. Thank you.
Je vais faire cet entracte, peut-être que vous ne l'avez pas prévu. À tout seigneur, tout honneur aussi, je crois que le maire des baleines là ce soir. Je me permets donc, par vos acclamations, d'inviter parmi vous le maire de Baleine. Est-ce qu'on peut applaudir? Monsieur le maire, s'il vous plaît. J'ai un tout petit peu écorché, mais je fais partie aussi de l'organisation, monsieur le maire. Donc, autant qu'il nous est venu le temps de l'hymne national, et pour cela, je ne pouvais pas me permettre de vous laisser très assis. Et je laisse donc l'association Baleine de France vous offrir cette hymne nationale. Mesdames et messieurs, est-ce que... Je vais nous prier tous, puisque nous sommes venus soutenir l'association Baleine de France, à nous prendre un instant de nous lever, car non seulement nous nous rallions aux Baleines de France, mais nous nous rallions aussi à nos frères, à côté de Lampedusa et aussi du côté de la Libye. Est-ce qu'à cet instant, ensemble, nous allons écouter le chant de ralliement? Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Tout le monde, on se lève, je vous en prie. S'il vous plaît, je vais devoir appeler ici les autres baleines du Grand-Pas de France qui ont également contribué à ce que cette soirée ait lieu. Je vais, pour ne pas remplir le monde, je vais juste appeler les chefs de délégation. Je vais appeler ici le président de l'association baleine du Benelux. Le président de l'association baleine d'Allemagne. Et le président de l'association baleine de l'Angleterre. Le chant de ralliement des baleines. Donc ce chant sera entonné par le notable Tamang Nguyen-Chenny. Oh, den dan dong ya, tu den boy musa.
Des ressortissants baleines de France pour la collecte des fonds nécessaires pour la défense de certaines causes chères aux adhérents. Vous avez bénédiction de vos parents et le salut cordial des amis restés au village. Permettez-moi de vous dire toute ma satisfaction pour le chemin parcouru depuis quelques années jusqu'à ce soir. Par votre association. Les activités de cette semaine finissante sont le témoin de votre engagement collectif, de votre amour pour votre village et votre pays. C'est le signe que malgré les divergences passées, l'intérêt général a fini par primer. Dans cette veine, je félicite l'esprit de tolérance, le dévouement et l'abnégation dont fait preuve votre bureau. Il a tout mon soutien et mon appui. Mes chères filles et fils, tout a été fait par vous pour que je partage votre bonheur du jour. Mais permettez que je vous fasse lire ce mot. Les intérêts supérieurs de notre pays et de notre cher village m'ont contraint, le cœur serré, de renoncer à ce voyage que j'ai pourtant préparé. J'imagine votre déception et je partage votre sentiment. Mais ne dit-on pas en notre langue maternelle que lorsqu'un animal échappe au piège, c'est le gibier qui sera plus gros.
J'ai espoir que nous communierons ensemble lors de la prochaine édition de votre fête que je souhaite régulière. Votre mobilisation de ce soir confirme le dynamisme retrouvé de votre association. J'ai foi que ce nouveau départ est le vrai. C'est lui qui amènera chacun de vous à son épanouissement et toute la communauté à puiser ses énergies dans le retour aux sources que nous que vous implémentez ce soir. En vous renouvelant des vœux de santé, de prospérité et de bonheur pendant votre séjour en Hexagone ou ailleurs à l'étranger. Je vous souhaite une agréable soirée et une bonne fête. Et signé Sa Majesté, Fouloumdougou, Tela Réunion. Merci. Merci, Président. Et merci pour ce mot du roi qui est très touchant et qui dit tout ainsi que le temps. Président, une fois de plus, je vais te laisser aller rejoindre les autres occupations. Et je vais continuer avec le cœur de cette soirée. Avez-vous chose promise, chose due, nous avons promis à nos frères baleines de France que ce jour nous allons être là avec une forte délégation pour venir représenter le Benelux. Nous sommes vraiment, nous ont mobilisés, nous avons une forte délégation qui sont là. Donc on ne va pas être long, la soirée est très longue, il y a beaucoup d'articulations. Donc merci à toute la France qui est venue soutenir nos frères baleines de France. Et merci aux autres délégations, Allemagne, Angleterre, qui sont partis de partout pour venir soutenir nos femmes. Vivement la prochaine édition. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Bonne soirée, que tout se passe bien, que tout le bon Dieu ramène tout le monde chez lui, sain et sauf. Merci à vous. Chers frères et sœurs de la communauté de France et mesdames et messieurs, bonsoir. Nous, de la communauté baleine d'Allemagne, nous sommes très heureux de prendre cette soirée. Et c'est quelque chose de grandiose parce que nous venons juste de voir le jour et nous essayons de nous rapprocher auprès des autres pour pouvoir voir comment ça se passe et essayer de suivre aussi les pas. Et nous avons accepté cette invitation juste pour attirer votre attention des autres délégations de part et d'autre. Nous sommes intéressés par une coopération et nous voulons aussi travailler pour l'avenir avec vous pour aboutir encore à d'autres projets en Allemagne, à Balai, peut-être aussi de part et d'autre dans notre pays. Donc, nous vous remercions encore pour l'invitation et nous vous ferons part de notre soutien dans toute initiative que vous entreprendrez dans le futur. Et disons que c'est une soirée qui est réussie. Et merci beaucoup. Bonsoir. Je vais introduire ici l'association des baleines du UK, abrégée ASOBAL. Vous savez, je vais commencer par une petite pensée. Vous savez, le philosophe Nietzsche disait ceci: tous ceux qui parlent la même langue, qui sont unis par un même passé, ont ensemble quelque chose de commun, ils sont liés à un point supérieur. Et ceci veut dire que vous avez vu un exemple ici dans la tour de Babel. Il a fallu une distinction linguistique ici pour différencier les hommes, pour que les hommes ne puissent pas regarder un projet commun. Voilà, l'association des baleines de l'UK est récemment née, ça a peine 2 ans. C'est une association vibrante dont je suis le représentant, le chairman, et j'ai ici mon formidable bureau qui est venu avec moi soutenir cette initiative. Nous avons voulu répondre pour une première fois à l'appel ici de Clovis, enfin ici de travailler en synergie avec d'autres associations sur le plan continental. Et pour éviter ici, nos baleines hésitent. Parce que je sais déjà qu'entre vous, il y a le Brexit, mais nous voulons ici éviter ce Brexit important. Le jour qui fera du Brexit, nos baleines hésitent. Ça ne va pas exister. Nous allons continuer à travailler en synergie. Et merci ici pour cette possibilité, cette tâche que vous venez de présenter.
Merci. À tous les représentants des baleines de d'autres parts du monde, applaudissez pour vous-même. Et merci pour vos différentes allocutions. Merci, Président. Spectacle, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un jeune artiste, révélation internationale, mais qui, ma foi, grandit à Balin et est devenu l'enfant chéri des Balins. Si vous l'appelez plutôt Charlie Chopin, ça ne va pas aller. Quand vous dites l'enfant chéri des Balins, ça donne. Alors, il est, je crois que du côté de Bruxelles, on le connaît bien parce que c'est là-bas qu'il réside. Il est descendu sur l'aire parisienne avec son manager, la reine mère de Bruxelles, qui est parmi nous ce soir, qui est venu soutenir son artiste. Comme ça, il a pas mal de titres, mais il chante bien parce qu'il a une voix de vélo qui porte et qui emporte les hommes les plus sensibles. Ce soir, l'enfant chéri des Balins a décidé de venir mettre hors de la frontière tous les artistes de sa génération. Voici l'enfant chéri des Balins, Charlie. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a les baleines dans la salle? Est-ce que les baleines de Benelux sont là? Est-ce que les baleines d'Angleterre sont là? Est-ce que les baleines de France sont là? Est-ce que les baleines d'Espagne sont là? Les baleines de Belgique? Les baleines de Bordeaux? Voici Charlie! Est-ce qu'on peut applaudir pour l'artiste, s'il vous plaît? À Nanterre. On applaudit pour l'artiste, mais les baleines, la salle est pleine des baleines et les baleines, ils sont là. Est-ce qu'il y a des femmes baleines dans la salle? Bon, les femmes, faites du bruit pour l'artiste. Plus fort! Je te laisse avec tes fonds, je te laisse en famille. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Je salue tous mes frères camerounais de la diaspora, la famille Baleine de Benelux et la famille Baleine de France. Sans vous, je ne suis rien. Yeah, yeah. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. DJ Naomis, la vie de l'homme. On commence par ça. Don't be gay.
Stéphanie. Vous disiez plus de 20 ans.
Après Houston, elle est redescendue du côté de l'Asie. Et ce soir, après Yaoundé aussi, autant pour moi, cette femme, vierge de son état, chaleureuse, sentimentale, importante et envoûtante, avec sa voix si suave, elle va faire son entrée dans les secondes qui suivent. Et sans plus tarder, voici le mythique de la chanson camerounaise, Coco. Coco a chanté ce soir présenté sur la soirée de l'association des Baleines de France. Présentation en France, jamais c'est moi. Coco. Elle est devenue encore plus mignonne, elle est devenue encore plus chaleureuse, elle est devenue encore plus charmante. Voici un entier en ce matin, on a fini de voir tout le monde. Couverture médiatique, planète, média. Coco Argenté va nous rejoindre à l'intérieur de sa salle, mesdames et messieurs, que tout le monde soit prêt, parce que nous allons danser jusqu'à la semaine du moment. Yeah.
Thank you.
Listen, mon ami, la banque, la banque.
nation américaine. Il s'appelle Junior. Il s'appelle Junior. Comme tu l'es, les S. Regarde la place. C'est ça, mon parfait. C'est ça. Applaudissez-vous le travail, s'il vous plaît. Je suis un peu plus de temps.
Merci au peuple malin, merci beaucoup.
tiens à vous rappeler qu'à cet instant, les cartes bleues, c'est ouvert. Donc vous pouvez payer par carte bleue. Mesdames et messieurs, avant j'embauche les moi, les images Planète Média, à la discothèque Naomis. Les malins, merci pour toute cette consécration. Et puis décoration à la salle, Jennifer Evans, vous la contacter, dans la salle. Au plaisir, je vous laisse en musique. Bon dimanche à tous! Peace.